Le territoire s'organise principalement en fonction des sources d'approvisionnement. Si la nourriture vient à manquer, le rat deviendra facilement carnivore et prédateur d'animaux plus petits ou plus faibles que lui. Dans certains cas, c'est un groupe de rats qui viendra à bout d'un autre animal. C'est la recherche de nouvelles sources de nourriture qui modifie un territoire et en détermine l'expansion. Le territoire du rat occupe un espace qui ne lui est pas exclusif. L'équilibre écologique de cet espace est assuré par les multiples espèces qui y cohabitent. Le rat risque donc d'y rencontrer certains de ses prédateurs naturels, tels le faucon, capable de fondre sur lui à 200 km/h. Le hibou, lui aussi, est un des principaux prédateurs des rongeurs. Le rat, comme beaucoup d'autres espèces, adapte son activité à celle de ses prédateurs. S'ils sont nocturnes comme le hibou, le rat en danger sera plutôt actif le jour. Le serpent, le renard et d'autres carnivores sont ennemis du rat. L'homme, quant à lui, joue le rôle de prédateur, mais aussi de pourvoyeur. Ses habitudes de consommation, d'entreposage et de transport ont permis aux rats d'envahir la Terre. L'un ne va pas sans l'autre, et on estime que la population mondiale du rat égale celle de l'homme. Les incisives du rat poussent de 13 cm par an. Aussi les usent-ils sur toutes sortes de matériaux, provoquant panne de courant et incendies. Ils s'attaquent aux fils électriques, rongent le métal et n'hésitent pas à se faire un chemin à travers le béton. Porteur de nombreuses maladies et infecté de parasites, le rat représente un danger constant pour la santé mondiale. Les vieillards, les enfants en bas âge, les impotents sont plus particulièrement victimes de sa morsure qui provoque fièvres et infections. À Bombay, par exemple, les hôpitaux traitent chaque année 20 000 cas de ce genre. Aux États-Unis, on en dénombre 14 000 par an.
par ses excréments et son urine, qui contiennent larves et bactéries, le rat contamine les animaux domestiques et infecte la nourriture dans les entrepôts. C'est ainsi que les épidémies de trichine, les 600 formes de salmonellose, les amibiases, les leptospiroses parviennent jusqu'à l'organisme humain et accablent des millions de personnes. Depuis des siècles, on associait le rat à la peste. Mais ce n'est qu'à la fin du siècle dernier que l'on démontra comment cette maladie se transmet du rat à l'homme. Plusieurs espèces de puces, parasites du rat, se nourrissent de son sang et se développent dans le microclimat de son terrier.